Bonjour à tous, c'est Taker, bienvenue pour le 22e épisode, je crois, de Pokémon Liquid Crystal. On se retrouve à Ecorcia, à Ebenel plutôt. Et ouais, donc la dernière fois, on avait battu Sandra et on avait aussi été dans l'antre du dragon, on avait obtenu des Poké assez intéressants. Mais comme vous avez pu le voir, avant de commencer l'épisode, en fait, je commentais pas, mais j'ai été capturé un Umbreelex, donc dans. Je vais vous montrer d'ailleurs, je crois qu'il a une bonne nature, je me rappelle plus. J'ai capturé hier, puis finalement. Plus tard j'ai... Bon attends, je vous dirai ça plus tard, je vais juste vous montrer l'Umbreelex que j'ai renommé ensuite parce que je ne savais pas comment l'appeler. Puis j'ai aussi renommé Mini Draco en passant. Donc voilà, ouais, j'ai renommé en Corambu. Et vous avez pu remarquer qu'il a des attaques assez intéressantes quand même. Il a déjà Rock Slide et Crunch, donc c'est quand même deux attaques qui lui sont grandement utiles quand il sera en tirage nocif. Mais étant donné qu'il évolue au niveau 55 et que je veux pas trop... je veux pas avoir un Poké plus fort que les autres, je vais attendre avant de l'utiliser, j'utiliserai sûrement pour la ligue. Et bon, Mini Draco, il est toujours comme ça. Et au niveau de sa nature, je crois qu'il a une très bonne nature l'Umbreelex. Ah non, il est sérieux, c'est une nature neutre en fait, donc c'est plutôt bien en fait. Et Mini Draco, il est Lonely, je crois que c'est solo si je me trompe pas. Et donc ça augmente l'attaque, donc c'est excellent. Et ça augmente l'attaque et ça baisse la défense, donc c'est vraiment très bien pour lui. Et sinon, d'autre part, j'ai aussi, vous l'avez vu, je crois que j'ai utilisé lorsque j'ai capturé l'Umbreelex, j'ai fait évoluer donc Drabi et Andre Attack. Et vous pouvez remarquer qu'il a Draco Griffe. Alors pour ça, je remercie Papilu qui m'a donné l'idée en fait de ne pas faire évoluer Drabi avant qu'il apprenne naturellement Draco Griffe. Parce que je pense que vous le savez tous, hein, les Pokémon, plus leur évolution est avancée et plus ils apprennent les mêmes attaques mais tard en fait. Là dans le cas présent, Drabi apprenait Draco Griffe au niveau 49, alors que Drattak lui il l'apprend genre au niveau, je sais pas, je crois que c'est 73 si je me trompe pas, ou 79, quelque chose comme ça, enfin en gros c'est dans les niveaux 70, c'est beaucoup trop tard. Et donc c'est passé comme ça que j'ai fait pour lui apprendre Draco Griffe. Donc je remercie Papilu et ceux qui ne connaîtraient pas cette astuce, maintenant vous le saurez. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent justement qu'on peut pas apprendre Draco Griffe à Drattak avec le move tutor, mais il y a toujours cette façon là de l'apprendre. Bon, sinon il a aussi Flamèche, donc c'est un peu de la merde, mais j'ai pas assez de fric pour acheter Fire Blast au casino, enfin Déflagration. Et j'ai pas trouvé en fait le move tutor pour Lance Flamme, sérieusement ça me saoule. Hier on était samedi, j'ai essayé de le trouver là, vous m'avez dit que le samedi il y avait un move tutor à Doublonville pour qui apprend Lance Flamme, mais je l'ai pas trouvé. Donc bon, on va rester avec ça, puis quand on aura assez d'argent on achètera des flagrations, puis c'est tout. Et si vous avez plus d'infos pour avoir Lance Flamme, par contre j'aimerais bien aussi parce que c'est. Je compterais utiliser ce move tutor pour ça. Sinon autre chose, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de. En fait qu'il y avait un décalage progressif. Entre le son du jeu et le jeu en lui-même, entre l'image et le son du jeu, et c'est quelque chose que j'essaie d'y remédier en fait, mais comme c'est progressif je peux rien y faire, je peux pas corriger ça au montage étant donné que si je décale, mais ce sera toujours décalé à un certain endroit en fait vu que c'est progressif. Du coup j'ai cherché un nouveau logiciel de capture, donc j'espère que tout ira bien. Il est assez abouti aussi, donc pour info, hein, bon, c'est sur Mac hein, toujours évidemment. Avant j'utilisais ScreenFlow, là maintenant j'utilise iShowU HD Pro, donc je trouve ça plutôt pas mal. Il est assez complexe ce logiciel, donc je vous le conseille. Enfin, je vous conseille, on va déjà voir ce que ça donne là, mais bon, sinon je parle à la mer, mais ça sert à rien. Et je crois qu'on peut aussi aller voir le professeur Orm pour qu'il nous donne un Master Ball, donc on va y aller tout de suite. Et ensuite, étant donné qu'on a les 8 badges, on va pouvoir partir vers la Ligue Pokémon. Donc oui, merci. Voilà, la Master Ball. Donc voilà, ça c'est cool. En fait, avec ce logiciel, j'ai surtout eu du mal à régler le son du jeu par rapport à ma voix. Parce que, contrairement à ScreenFlow, en fait, il propose pas un... Parce qu'en fait, ScreenFlow, c'est aussi un mini logiciel de montage, si on veut. Dans le sens où, après qu'on ait enregistré la vidéo, on peut encore régler le son à la fois du jeu et de ma voix. Donc c'est comme ça que je faisais d'avant. Mais là, en gros, si je veux... Enfin, c'est un peu compliqué à dire, en fait. Donc bon, je vais vous épargner les détails, mais en gros, j'ai vraiment galéré pour trouver le juste milieu. Donc voilà, les chutes Tojo, là où on avait eu notre Germignon, hein, c'était le vieux là sur la gauche. Bon, on va pas aller le voir, on s'en fout. Là on a une cascade, bon maintenant j'ai Léviator avec cascade et j'ai le badge, donc on peut l'utiliser. Je vais pas m'emmerder à aller genre, je sais pas moi, dans les îles, dans les tourbilles pour aller chercher... Enfin pour aller battre Lugia, parce qu'on s'en fout un peu, donc surtout qu'il y a rien là-bas en fait. Donc bon, on va tout de suite partir par ici. Et là, une première dresseuse. Donc
après voilà, là c'est vraiment la dernière route avant la ligue. Une route que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, notamment grâce à sa musique en fait, que j'ai essayé de laisser le mieux possible. Non mais attends, elle est sérieuse là, niveau 35, ton but bizarre de merde là. Putain, non mais sérieux, il déconne. Bon bah vas-y, hein. Bah l'ombre. Non sérieusement, ça fait chier. Ensuite Air Bizarre, bah il crève aussi je pense avec ça, voilà. Et Florizard, lui par contre il va tenir. Donc je vais l'endormir, voilà. Et dévorer. Et crève, voilà. Là le sprite de... le sprite de Florizard était totalement refait. C'est plutôt sympa. Et j'ai changé mon premier poké aussi parce que j'en ai certains qui sont un peu en dessous des autres. Léviator surtout. Qui a 48, donc voilà. Sinon je crois qu'il n'y a rien d'autre qui a changé hein, au niveau des pokés. Lui il a Fatal Food mais je crois que je l'avais déjà pris avant en fait. Puis bah Boudouche a toujours ça, enfin mais bon je suis un peu obligé de l'avoir. Pour bouger parce que j'ai pas envie en fait de prendre un Pokémon inutile dans mon équipe pour cette route. Qu'est-ce que... Je sais plus à quoi elle sert. Elle. Je crois qu'elle donne Tempête Sable, non? Ouais c'est ça, la 37 je crois que c'est Tempête Sable hein, si je me trompe pas. Bon c'est pas super utile, ouais c'est ça, c'est un Storm. Ouais franchement la CT elle est totalement inutile. Enfin l'attaque en elle-même est totalement inutile, si on met une Tempête de Sable on prend un Tyrannosif quoi. Donc non, repousse, j'ai déjà mis. Et mais attendez, là c'est quelle route là? Attendez juste pour voir. Tojo Falls. Et là c'est la route 27, mais je sais pas si j'ai déjà capturé un Poké sur la route 27. En fait j'ai un gros doute, peut-être que... Ouais si je crois que je l'ai déjà fait mais dans le doute j'ai quand même allé voir dans le PC. Ouais je vais faire ça, bon bah du coup on se retrouvera ici mais moi j'ai juste... Ah merde je peux pas voler. Oh putain galère. Ah si attendez. Ouais route sans bon, c'est pas bon, je vais aller là. Bon bah on se retrouve tout de suite. Voilà c'est bon, ouais j'ai été vérifié et c'est bon, tout va bien, j'ai capturé aucun Poké à la route 27, j'ai vraiment bien regardé partout. Que ce soit dans mon équipe, dans ma boîte de réserve ou même dans la boîte des morts et j'ai aucun Poké capturé sur cette route. Donc là j'ai le choix entre en capturer un dans l'eau et dans les herbes, mais je vais capturer dans les herbes simplement parce que niveau Pokémon eau je suis déjà bien blindé. Mais là qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a peut-être un objet, non? Même pas, bon. Attendez, j'ai... Ouais j'ai bien mis un repos, j'étais pas sûr. Bon on va battre le dresseur et ensuite bah, on capturera un Poké dans ces herbes. Enfin quoi qu'en fait, je vais attendre de passer à la prochaine route juste pour voir s'il y a personne qui nous donne un Poké parce qu'on sait jamais hein, si on a un Poké genre poussifeux par exemple, ça tombe jamais. Ouais, une personne qui nous le donne comme ça. Bah comme c'était le cas avec Germignon en fait. Attendez, il a un magnéton, on va activer contre lui. C'est vrai que je suis un peu faible aux attaques électriques aussi, mais là je peux envoyer mon propre magnéton parce que bon, il va pas faire grand chose. Bon, on va mettre Hashim. Je pense que c'est lui le plus apte à défoncer. Bon, en plus il fait Thunder Wave, donc c'est parfait, là ça m'active écran, je vais le défoncer du coup. Je suis sûr avec Rock Smash je le tue. ouais, Locken si tu veux, non, fais pas chier. Sonic Boom, ouais, il est vraiment nul en fait. Enfin, il a ses attaques naturelles. Ah non, il crève pas, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que du coup, j'ai pas point de feu et j'ai pas envie d'utiliser un coup croix juste pour un magnéton en fait. Ok, ça c'est bon. Ensuite, un 9-9. 9-9, il a peut-être Psycho, donc on sait jamais. Hein. Problème, c'est que les attaques Psy. Mais en fait, je suis faible un peu à tout. Enfin, non, en fait, non, c'est surtout ces deux types-là. Le type Psy et le type électrique, c'est. Non, oui, les deux types Psy et le type électrique, c'est les deux types qui me défoncent un peu. Et c'est pour ça que je serais. Que je suis pressé de. Bah de monter à un niveau suffisamment haut pour pouvoir utiliser Tyrannosif. Comme ça, bah ça me fera une immunité au type Psy et bon, c'est pas contre les attaques électriques, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, il aura séisme et puis bon, ça sera toujours ça quoi. Donc, je saurais pas à la place de qui je vais mettre. Et mais en fait, j'ai un peu fou là parce que s'il avait séisme, je me serais fait défoncer. Mais je crois pas qu'il a. Enfin, si, il a tir debout aussi, il aurait pu me le faire. Bon, enfin. Tant mieux pour moi, il a pas fait, donc attendez, qu'est-ce que je fais là? Bon, on va laisser Léviator en premier, je vais juste soigner la paralysie de je sais plus qui là. En espérant que j'ai ce qu'il faut. Et je suppose que je n'ai pas ce qu'il faut. Ouais, j'ai pas... Ah oui, c'est vrai, j'ai les restes aussi. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai trouvé des deuxièmes restes en fait dans le mont Argent. Bah là où j'ai capturé Ombrelex, en fait, j'étais un petit peu plus loin, il y avait une salle où il y avait les restes. Donc on va les donner à Léviator. Qui va lui aller à merveille parce que bon, c'est un Pokémon défensif. Étant donné que je lui ai appris repos et blabla dodo. Ok, donc alors, prochain Pokémon, juste être Ned Magneton en premier. Non, Mad Bob plutôt parce qu'il peut endormir. Voilà. Donc, ah, mais non, putain, je suis con. Ouais, j'ai mis le repousse, mais en plus j'avais dit que j'attendrais d'arriver à la fin. Je sais pas ce qu'il a dit, mais on s'en fout. Ouais, Sable Hydro, lui, je crains rien du tout. Bah, du coup, je vais pouvoir changer le premier Poké parce que je suis pas besoin de capturer là. On va remettre Léviator. Je suis un petit peu à l'ouest quand même. Donc toi, je sais pas ce que t'as, mais j'ai défoncé.
Putain, ça fait vraiment chier qu'ils soient aussi faibles les dresseurs quoi. Ils devraient au moins être au niveau de la championne de la dernière championne quoi, c'est abusé. Enfin, même si c'était déjà faible. Staros, lui, il peut avoir des bonnes attaques. C'est un top dresseur donc ça se trouve, il a peut-être tonnerre tout ça là, donc je vais envoyer. Envoyer Nico. Recover, ok, c'est un petit peu con quand même, mais bon. Confusera, ouais, en fait, non, il a ses attaques naturelles. Rapid spin, ouais d'accord, c'est vraiment la dèche. Météor, ouais, c'est une grosse merde en fait. Non mais c'est bon, tu vas arrêter de rater là s'il te plaît, merci, voilà. Ça c'est le gros problème de Fatal Food, mais bon, quand ça touche, en général, ça va une chose. Neuneuf, bah pareil, hein. On va le défoncer comme ça. Ah merde, ah c'est Powder, ça fait un peu chier. Mais bon, je pense pas qu'il ait quoi que ce soit de, pour me faire très mal. Ah si, il y a ça quand même, ça fait pas mal. Mais bon. Ouais, j'ai tenté encore un coup, sauf que je ne réveille pas, mais lui il est paralysé, donc tout va bien. Triple attaque, vas-y, bon c'est bon, il est mort. Parfait. T'as pu le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Et Girafarig, alors lui, est-ce que je t'ai un petit coup éventuellement, je pense. Mais on va faire Thunder. Voilà. Bon, bah, de toute façon, il aura pas le temps de me faire un petit coup. Donc voilà, bah, Nick2 est presque au niveau des autres. Et je vais le soigner avant de continuer. C'est vrai qu'il me sert beaucoup, hein. Juste, autant le Pokémon en lui-même est pas terrible, mais son double type est. C'est vraiment un gros plus pour ma team. C'est lui qui équilibre tout, en fait, limite. Siphon, putain, j'ai. Ah merde, j'ai pas ce qu'il faut là. Bon, bah c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Sinon, je suis sûr qu'il y a des autres chemins encore là. Bah regardez, route 100, on peut revenir carrément sur la route 100. Bon, on va explorer vite fait, mais. Non, en fait, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ouais. Sérieusement, ça je trouve, c'est vraiment le truc le plus mal fait dans cette version, c'est ça, c'est le. La mer là qui fait 10 000 km de. De large. Ouais, bon en fait ils sont pas dangereux du tout et du coup les Pokémon donc je peux faire Morsure. Bon, en plus je suis plus rapide que lui quoi. Avec Morsure je peux le défoncer. En plus il me fait rapide spin et je regagne toute ma vie avec les restes quoi. Sinon pour la ligue je compte faire un duel commentary mais en fait je sais pas avec qui. Donc bon, je sais pas en fait, je sais pas comment ça va se passer. Je verrai. Je ferai sûrement avec Ash Team je pense s'il est disponible. Ouais ce serait bien. Ouais mais non par contre tu vas arrêter de te taper dans ta confusion là parce que c'est quand c'est un peu me casser les couilles là. Tu vois, voilà. C'est bien. Ouais, heureusement que j'ai les restes quand même. Et ensuite, un Nidoqueen, lui, ouais, Waterfall, il va crever. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire. Ah merde, point poison, ça se fait chier par contre. Ah oui, attendez, pour soigner la paralysie de l'autre, j'ai des baies aussi peut-être. Juste, attendez, est-ce que j'ai des guérisons là c'est full restore si je me trompe pas, non. Je confonds toujours avec l'autre. Là. Avec total soin. Ouais, non, j'en ai pas de toute façon. Donc, ouais, hyper potion. Et antidote, j'en ai ou pas en fait. Ouais, j'en ai un, parfait. Voilà. Je vais aussi chercher une baie pour. Baie cerise, merde, j'en ai plus. Bon, tant pis. Route 26, et là il pleut, mais par contre je passe à une autre route. Donc c'est à dire que je peux capturer un Poké. À moins que juste au-dessus là il y ait quelqu'un, on sait jamais. Ouais, bon, je reviendrai ensuite pour capturer un Poké quand je serai revenu par là. Donc là il y a un autre dresseur, ouais, ça je me rappelle. Autant j'ai pas beaucoup. Enfin. Je me rappelle parfaitement cette route en fait. Alors, pourtant c'est pas celle que j'ai plus fait. Enfin c'est marrant parce que je préfère. Mes versions préférées c'est bah, c'est rare. Enfin c'est or et argent, enfin c'est or en fait, plus précisément. Mais et pour. Oh putain. Ah ouais mais c'est vrai Vendetta c'est de la merde donc c'est bon. mais pourtant c'est pas celle que j'ai plus fait en fait. Mais malgré ça je me rappelle par faire de pas mal de trucs. Ouais, bon lui il a que des quillfish. Je vois même pas pourquoi j'utilise une fatal foot dans le vide parce que c'est. Enfin dans le vide. Disons que c'est un peu gâché pour des Pokémon de merde comme ça. Franchement, c'est. Globalement, cette version était vraiment décevante hein, niveau difficulté, c'est vraiment de la merde. Mais bon, tant pis, je vais continuer, je vais terminer. Mais franchement, je pense que pour pas trop faire durer le truc, Kanto, je vais le faire en condensé, hein, sérieusement. Parce que, à moins qu'ils aient rajouté plein de trucs super intéressants, je vois pas trop. Enfin, franchement, c'est vraiment pas génial quoi. Ouais, bah, Morsure, hein. Casse-toi. Regardez, j'ai un Léviator et puis je défonce tout le monde. Quoi. Bon, ça y est, c'est un peu normal, mais. Mais c'est pas forcément le Poké adapté pour battre tout le monde. Ouais, donc là, en arrivant là. Ouais, non, c'est mort, y a personne qui me donne de Poké. Bon, bah, on va en capturer un du coup. Alors, espérons qu'on tombe sur quelque chose de bien. Je sais pas du tout ce qu'il y a ici par contre. Hein. Allez! Merde, j'ai remis un repousse, c'est ça. Ah non, ouais, faut que je change de Poké en premier parce que l'élévateur a intimidation et je sais que ça repousse les Poké en fait. Ah bah non, en fait j'avais un repousse, ok. J'ai rien dit. Oh bah un Punita, c'est l'animal préféré d'Ashim, donc alors vas-y.
On va le capturer, on va l'appeler Fuck Ma Vie, hein, ça c'est la base, j'ai envie de dire. Bah c'est bien en plus, ça fait un Pokémon feu, j'en ai même pas eu en fait, je crois. Voilà, on va l'appeler Fuck Ma Vie. Pour Hashim qui adore les poneys. Fuck. Voilà, comme ça c'est bien. Bon voilà, on a un Pokémon feu, pourquoi pas, je vais te prendre dans l'équipe, c'est pas mal. Juste je vais voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hein. Ah bon, bon bah, je préfère clairement Ponyta. Ensuite, Dynavolt, ah ça aurait été bien ça par contre. Enfin, disons qu'elle sprint est beaucoup mieux que... Oh putain, Nanuf aussi, j'aurais bien aimé mon autre copo. Mais sinon, ouais, Dynavolt et sprint est mieux que Magneton, même s'il n'y a pas le type acier, mais franchement il est mieux. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour. En fait, le mieux, ça aurait été vraiment Dynavolt, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Donc route 26, bah là encore on peut capturer un Poké, mais je vais faire la même chose, je vais attendre. Je vais remettre un repousse. Voilà, max repousse. Et sinon, pour la paralysie d'Hashim, je crois qu'il y a un... Bon après je profite de cran, mais je crois qu'il y a un, une personne dans une maison là qui nous soigne de Poké. Tu veux pas de battre toi? Ah, j'ai peut-être... Ah oui, j'ai déjà battu, je suis bon. Ok, bon, continuons. Voilà, c'est bon, en fait la maison est juste là, je crois. Normalement là il y a une meuf avec un tortank, je crois que c'est elle. Ou juste la battre avant. Ça je m'en rappelle aussi, elle a un tortank, le truc ça m'a choqué. Ouais Pikachu et ensuite elle a tortank, ça je m'en rappelle. Pikachu sûr je peux rester pour faire cascade et le tuer. Ouais, casse-toi. Et ensuite tortank, ouais voilà, exact. Ouais par contre le sprite je trouve vraiment pourri. C'est celui de l'argent en fait. Mais je trouve vraiment moche perso. Bon on va mettre Nicktou. Voilà, voilà, un gros patafou en pleine gueule. Il va kiffer, voilà. Ça je sais pas c'est quoi cette BM mais t'en fous en fait. Voilà toi tu soignes mes Poké. Voilà c'est ça, tes Pokémon semblent fatigués. Bon je vais arrêter un peu le speed parce que franchement vous profitez de cette musique que j'adore, vraiment c'est une de... C'est je pense ma préférée. Ouais c'est ma préférée de Or Argent et Cristal avec celle du lac colère en fait. C'est vraiment deux musiques que j'apprécie énormément. Donc sinon il n'y a pas d'autre route pour l'instant. Et là il y a de l'eau. On va peut-être. Ils ont peut-être encore mis un truc de 3 km. Donc mon lui il est pas dangereux. J'ai envoyé ma... Non j'ai envoyé Body Breath, tiens. Je vais pas l'utiliser. Ah bah il avait Sleep Powder, merde. Bon on va faire vol. On va le défoncer avec ça, voilà. En fait j'ai quand j'y pense j'ai quand même une putain d'équipe là. Truc j'ai un Dratak, un Ectoplasma, un Maconiar, normal je... Même un Léviator. En fait le limite ce qu'il faudrait faire c'est changer Magneton pour un Pokémon meilleur. Et Alligator aussi parce que ça fait un double Pokémon haut puis il est pas... Limite franchement Léviator est 10 fois mieux qu'Alligator quoi, ça c'est... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et ce serait... J'aimerais bien changer quoi, mais bon. On verra. Donc sinon on va continuer à avancer. Je crois qu'on est déjà presque arrivé à la route de victoire. La route de victoire on la fera dans le prochain épisode je pense. Enfin je sais pas, on va continuer là déjà. En fait j'ai peut-être allé retourner derrière pour explorer vite fait là, toute l'eau qu'il y avait. Qui nous retournait à la route 100 là. La route victoire sera dans le prochain épisode et ensuite on fera la ligue. Donc là Parasect, on pas besoin de changer, sérieusement c'est une merde ce truc. Bah bon par contre ils m'ont pas besoin de faire un peu chier mais c'est pas grave. Mais genre, pourquoi il prend rien pris cette fois? Oh bizarre. Oh putain fait chier là. Je sais qu'il a Absorbo mais en fait c'est dans la 5G donc on s'en fout. Je crois qu'il a un truc pour l'eau. Ouais. Ou la Vabo, je sais pas c'est quoi. Mais... Alors on s'en fout. Ouais Aquacoak. Bon je vais quand même changer. Ouais, il vous douche, tiens, on l'a pas utilisé encore. Même si c'est pas le meilleur choix stratégique, comment ça parle. Vas-y, force. Avec Grincement, ça peut être dangereux ça quand même. Deux qui m'en fait deux, mais c'est pas grave. Il crève, voilà. Bon, ensuite. Ouais, non, par contre, ça, je vais pas être d'accord. Est-ce que j'ai une baie pour ça? Posons, là, c'est la baie pêcheur, ouais, j'en ai, parfait. Voilà. Et on va aussi soigner Léviator. Je veux pas abuser de l'autre là dans sa maison, mais qu'il nous soigne les Poké quand même, c'est un peu abusé. Je trouve de. C'est comme retourner au centre Pokémon tout le temps, quoi. Donc toi, qu'est-ce que t'as? Tu as un Sablero, bon toi tu vas pas dire longtemps. Toi, les niveaux, on augmente déjà, hein. Là on monte à 45 alors que t'étais niveau 36, le premier dresseur qu'on a vu là, c'est... Ah bah, mais genre, attendez, il pleut, il tient la 4-4 quoi. C'est qu'il a une bonne défense, mais quand même, faut pas déconner. Ah mais oui, c'est vrai, ça je vous l'ai pas dit, mais mon Léviator a une magnifique nature modeste aussi, ça c'est quelque chose de vraiment pourri. C'est la pire nature possible, limite, pour un Léviator. Non, peut-être pas, mais... Moi aussi, en fait, c'est de la merde. Parce que bon, un Léviator spécial, voilà quoi. Mais sérieusement, c'est vraiment dommage parce que bah du coup, toutes ces attaques... Ouh, Dragon Dance. Ah ouais, merde, du coup, je fais quoi, là? Je vais pas enlever le reste, c'est Sleep Talk. Mais Dragon Dance, c'est Dragon Dance. Donc, bon, on va enlever morsure, en fait. Hein. Tant pis, c'est un mono-attaqueur, en fait, mais c'est pas grave. Mais voilà,
quand Léviator propose d'apprendre Dragon Dance, on apprend Dragon Dance, parce que c'est normal. Donc sinon, Magneton, qui j'envoie? On va envoyer Hashim, on va faire pareil. Mais cette fois-ci, je vais vraiment utiliser... Faut pas qu'il me fasse chier, là. Crush, stop, dégage, voilà. Et c'est fini. Toi, j'ai pas besoin de sonner Poké parce que je sais que t'es un Galopa. Ça, je m'en rappelle. Ouais, Galopa, voilà. Niveau 45. Bon, en plus, Léviator, il a même pas besoin d'être soigné, donc... Donc tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est la porte qui nous mène à la route de victoire. Et ben, on ouvre, retourner en arrière. On va juste prendre cet objet et... Bon, explorer tout à fond, en fait. Alors, attendez, en passant par là... je vais mettre un repos parce que j'ai pas que tirer de poké ici, hein, aussi. Hein. Ça, faut s'en rappeler. Je vais juste voir ici si personne ne donne de poké et ensuite, ben, on en capture un dans ces herbes-là. Ouais, vas-y, on va lire. Mon frère, ma soeur... Bon, on s'en fout, en fait. Je crois qu'en fait, c'est en rapport avec toutes les personnes, là, qui sont dispersées dans la région. Et qui nous donne des objets genre pour augmenter les attaques de type poison, de type vol, tout ça. Je crois que c'est par rapport à eux. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Donc allez, on va passer par ici, voilà. Et juste voir bah, tout ce qu'il y a sur la route 100. Bon, on a déjà un Poké hein, sur la route 100, donc on s'en fout des repousses. Enfin, quoi que si, en fait, parce que j'ai pas envie de galérer à faire 10 000 combats. Route 27, oui, ça j'ai déjà capturé aussi. Mais je crois qu'il y a rien, en fait. Hein. Vous voyez, c'est... Merde, c'est bloqué en bas. Attendez. Route 27, route 100. C'est vraiment mal foutu, sérieux. Regardez ce bordel. Il y a des pierres partout, c'est n'importe quoi. La route 100 est plus sur la route 100 pour changer. Ouais, on va juste faire comme ça, essayer d'explorer tout comme ça à l'horizontale. Route 26, ça faut faire attention par contre parce que j'ai pas capturé de Poké. Petit de turbo. Merde. Voilà. D'ailleurs, en parlant de... j'ai plus beaucoup de repousse. Mais je pense que je peux rester à 6 ouais, pour la route victoire. Ouais, bon, il y a rien du tout, en fait. Donc, du coup, là, pour la route 26, bah, je vais juste monter tout en haut. Et juste avant, j'ai quand même passé là. Parce que bon, c'est la route victoire après, donc voilà. Bon, ce sera un épisode court, mais en fait, si je fais la route victoire en même temps, ce sera trop long. Même si... Mais quoi qu'en fait, non, je crois que la route victoire... Ah non, je crois qu'ils ont ajouté des dresseurs en fait. La route victoire est totalement vide en fait à la base dans rare argent et cristal. Mais il me semble, je suis pas sûr qu'ils ont ajouté des dresseurs. Mais bon, si. Ouais, ça fera chier par contre s'ils ont un peu ajouté parce que du coup ça fera un épisode de 10 minutes vu qu'on va se torcher la route victoire en 10 minutes. Mais bon, je sais pas, je trouverai quelque chose à faire. Merde, bah attendez, c'est où les herbes? Ouais, bon, en fait, c'est ici. Ok, bon, les capturons un poké. Quelque chose de bien, espérons. Je vais juste mettre ma boa en premier. Voilà. Attention. Ah bah encore un fuck ma vie, donc non. En fait c'est les mêmes Poké, j'ai l'impression. Bon bah 9, bah c'est parfait, écoutez, je suis entièrement d'accord. Mais si on dort le, et puis je pense qu'on a même pas besoin de l'affaiblir. Par contre, au niveau du surnom, je sais... Merde, j'ai failli utiliser la Master Ball. au niveau du surnom, je sais pas du tout quoi lui donner. Qui aime bien les œufs? Je sais pas moi. Ouais, j'ai peut-être posé cette question sur Twitter, tiens, qui aime les yeux? Ouais, non. Bon, je vais voir sur Twitter et puis je trouverai un surnom comme d'hab, quoi. Voilà, bon, je crois que je l'ai pas encore dédicacé, donc je vais le faire maintenant. Donc, il s'agit de Frognit. Donc, voilà, qu'est-ce que dit à toi, cousin? Et donc, attends, Frognit. Ouais, comme ça. Pourquoi je voulais me remettre un R? Voilà, bon, 9, c'est un bon Poké. Enfin, mais par contre, j'ai pas de Carpente, je crois. Ah si si, j'ai sûrement dû en récupérer, je me rappelle qu'on a récupéré quand même de pierres. Ouais ouais, bon en tout cas c'est peut-être un Poké que j'utiliserai aussi, d'autant plus que ça fera une résistance psy et électrique, ce sera vraiment un très bon Poké à prendre. Ouais bon, en fait je crois qu'il y a vraiment les mêmes Poké que sur l'autre route. Bon bah du coup je pense qu'on va se laisser ici. Hein. On va juste rentrer dans le bâtiment là. Voilà. Oh ouais, voilà, il dit que j'ai tous les badges. Donc on peut passer. Voilà, donc là c'est la porte de la route de victoire. Donc moi ouais, c'est ici. Bah, j'espère que cet épisode vous a plu et sera peut-être un petit peu court avec les coupures. J'ai mis un petit peu de temps à débuter, je crois, au début aussi. Enfin là je vois 27 minutes d'écrit, mais je pense que ça va être un épisode de... Bon non, en fait non, ça va être normal, ça va faire genre 23-24 minutes je pense. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que le prochain épisode sera pas pourri parce que la route de victoire de base est vraiment pourrie. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, salut.